Bon les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'Apex Legends Mobile pour une nouvelle qui est pas si bonne que ça. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai fait des vidéos sur le jeu quand on en parlait quand est-ce qu'il allait sortir, quand on en parlait quand il était en alpha, quand il était en test, quand il était en bêta, quand il est sorti. Bref, j'en ai fait quand même pas mal de vidéos sur ce jeu et je me dois de faire cette potentielle dernière vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, Apex Legends Mobile, c'est fini. À partir du 2 mai, le jeu ferme définitivement ses portes, en tout cas pour la partie mobile. Et pour nous remercier, les développeurs nous offrent une nouvelle saison et potentielle dernière saison, la saison 4, dans laquelle on va pouvoir y retrouver pas mal de nouveautés. Comme nouveauté, nous allons avoir l'honneur et la chance de pouvoir jouer avec Horizon, qui est actuellement disponible sur les autres plateformes. Eh bien, la voici maintenant sur mobile. Je ne vais pas faire la description de cette légende dans cette vidéo, car je pense qu'il y a suffisamment de vidéos YouTube qui en parlent. Avec cette nouvelle saison, nous allons pouvoir également explorer une toute nouvelle carte, la carte Olympus, qui est également disponible sur les autres plateformes, donc ce n'est pas une nouveauté, mais on va pouvoir l'apprécier sur téléphone. Avec cette nouvelle saison, nous avons également une nouvelle arme emblématique, la Post Combustion, c'est la fameuse batte de baseball. Il y a également une nouvelle fonctionnalité de tournoi dans laquelle vous allez pouvoir trouver des tournois par légende, donc c'est-à-dire que ça va être le meilleur joueur avec une certaine légende, et les tournois classiques avec votre niveau en game classé. Nous allons avoir également de tout nouveaux modes de jeu à durée limitée, comme le mode combat foudroyant et le mode butin fixe. Ce mois de février s'annonce riche en événements, car nous allons pouvoir avoir de nouveaux événements comme le défi Marvin à butin du 15 au 28 février. Nous allons également avoir le retrait d'Octane du 15 au 28 février également. Il y aura la parade du carnaval du 18 au 24 février et également le Sieb Terre email du 24 au 7 mars. Enfin, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça s'est pas traduit en français, oh! Bien sûr, qui dit toute nouvelle saison dit nouveau pass de combat. Et dans celui-ci, vous allez pouvoir retrouver des skins, des ressources et pas spécialement de nouveaux trucs. Il y a eu différents ajustements sur les modes et cartes. Donc, ça, c'est point positif. Mais pourquoi faire ce type de modification alors que c'est la fin du jeu? Je ne sais pas. Chose qui m'interpelle énormément, mais peut-être qu'ils ne perdent pas espoir et qu'ils se disent que d'ici là, le jeu va peut-être remonter. Ils ont fait des corrections de bugs et certaines optimisations, que ce soit dans le menu du jeu ou bien même IG, comme certains likes qui étaient très courants sur certaines zones, qui ont été corrigés. Enfin, comme vous le voyez les gars, cette vidéo elle est très courte, mais pour finir, je vais vous donner mon avis de pourquoi le jeu Apex Mobile en arrive là. Pour moi, le jeu a mis énormément de temps à sortir entre le moment où on a pu y jouer et le moment où il y a sa sortie globale. Je pense que le jeu, on l'a trop pensé, on l'a trop vu, on l'a trop revu, alors qu'il n'était même pas sorti en global. Et ça, c'est un très gros défaut à la part des développeurs, mais une obligation pour eux de tester ce style de jeu qui est quand même riche en éléments, dans lequel il peut y avoir quand même beaucoup de bugs à la sortie. Donc je comprends, mais d'un côté, ça leur a porté préjudice sur le fait que les joueurs casuels comme moi se sont très vite lassés. Pour être avec vous les gars, depuis que j'ai pas sorti de vidéo, j'ai très peu rallumé le jeu. Je l'ai peut-être rallumé une ou deux fois, mais pour vous dire, je rallume plus de fois COD Mobile que Apex Legends Mobile. Ça me fait mal au cœur car le jeu a du potentiel, la mécanique est folle, le gameplay est fou, mais malgré même des modes multijoueurs, des événements rapides, des modes de jeu rapides, il n'arrive pas à me conquérir. Et je pense que je suis pas le seul. Pourquoi je parle comme si je faisais un enterrement là-haut? Non mais les gars, plus sérieusement, je tenais à vous faire part de mon ressenti. J'espère que vous avez le même que moi et que je me sens pas seul. En tout cas, n'hésite pas à lâcher ton like et à me dire dans les commentaires ce que toi t'en penses. Qu'est-ce qui a réellement porté préjudice à Apex Legends Mobile et pourquoi on en arrive là à une fermeture quand même précoce. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur jeux mobiles. Et j'espère vous faire une vidéo pour vous dire « Eh ben non, c'était un troll, le jeu reste encore disponible et en fait, je refais des vidéos !» Non, je refais des vidéos, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils nous sortent plein de choses, mais moi, ça m'intéresse pas. Et les gars, première fois où je fais une vidéo et je suis triste. Oh là 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 là